le délégué spécial en charge de la commune de Franceville, M. Christian Dominique Cognon, m'a instruit de diviser avec les communautés amies sur différents points, dont le fonctionnement des colonies, le trafic et l'exploitation des mineurs, les inhumations non conformes à la loi. Et sur le plan organisationnel, essayer un peu de voir dans quel cadre encadrer cela. Et nous avons abordé naturellement les divers. Les points forts ici se trouvent, vous voyez, au niveau de l'organisation, non seulement le fonctionnement des colonies, mais surtout l'exploitation du trafic des mineurs. Vous savez, en République gabonaise, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été adoptée le 20 novembre 1989 aux USA, le Gabon a ratifié parmi les 197 pays. Donc, à ce titre, nous voulons rester dans les règles de l'art et convier nos partenaires à se conformer à la loi. J'ai instruit les colonies à faire œuvre utile et de respecter la loi en République gabonaise. Vous savez que nous sommes en période de transition et le délégué spécial en charge de la commune de Franceville a eu des instructions fermes dont il m'a chargé de relayer. Nous avons un pan épineux, celui de la sécurité qui gangrène un peu au niveau de la commune. Nous voulons, par ces échanges avec les communautés amies, faire en sorte que les choses se passent dans les meilleures conditions et que désormais, force reste à la loi, qu'autour des transports, qu'il y ait non seulement du respect en vigueur et qu'il y ait moins des enfants mineurs. Nous observons dans la ville de Franceville des enfants de moins de 18 ans, déscolarisés, qui sont exploités par certains opérateurs économiques. Et désormais, la commune de Franceville, par la voix du délégué spécial, n'acceptera plus cela.